On s'en va en l'air et on ouvre grand les yeux. Musique, maestro. Pas mal cette pièce. Ma grand-mère me disait toujours, si on a la tête libre, c'est pour permettre à la pensée de changer de direction. Et ici, ça tourne tout seul. Regardez-moi ce parc avec tous ces hôtels. Quand on pense qu'ici, il y a 30 ans, il y avait une grande plaine balayée par les vents. Autant dire que les vacanciers qui passaient sur l'autoroute filaient vers les plages sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances sereines, vacances ailleurs, vacances meilleures. C'était un peu ça. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monnery décide de prendre le destin de son département en main. Il imagine un gros coup pour relancer sa terre natale. Un parc d'attractions axé sur les technologies du futur. Le Futuroscope. Eh oui, l'homme est plutôt du genre à regarder l'avenir quand d'autres viennent tout juste de comprendre le présent. En 1985, décollage vers le Japon, avec toute son équipe. Direction l'Expo Universelle de Tsukuba. Et là, c'est la